Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Dans cette vidéo, nous allons voir des choses hors du commun. Bon, en fait, une chose terrible. Un jeune homme va faire une expérience. Quelle est cette expérience? Vous allez voir. Ah! Les gens sont tranquillement dans leur voiture. Alors que la voiture va même décoller, le jeune homme va venir mettre sa main rapidement dans la voiture pour essayer de voler le potable des champs. Ah! Mais bizarrement, ceux qui se trouvaient dans le véhicule étaient informés de cela. Et tout de suite, ils l'ont saisi. Et le gars, il est resté accroché à leur véhicule. Ce que ça va nous donner ici, vous serez même surpris. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Allons au studio. Allons voir les vraies choses. C'est parti. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous venons de nous réveiller. Nous nous sommes reposés un peu et commencer le boulot maintenant. Rien que vous offrir des choses hors du commun. Si vous voulez savoir, nous avons ces trois chaînes. Cliquez sur la seconde, allez sur la page d'accueil et vous verrez ces trois logos qui sont là. Abonnez-vous respectivement sur les trois chaînes, et soyez juste prêts pour la prochaine vidéo. Mais quand on parle des choses mystères, tout se passe sur la seconde. Regardez ça. Ça, c'est incroyable. Mais vrai. Ce jeune homme est venu jouer à Shipper, arrêt de Shipper. Mais bizarrement, il a été attrapé et regardé son visage. Là maintenant, la peur s'installe. Il ne sait même pas ce qui va se passer après. Quand vous essayez de voler quelqu'un et que ça tourne mal, voici ce que ça donne. Ça donne un truc énormissime comme ça. Et regardez, regardez ça. Ils l'ont attrapé. Ces derniers temps, faites très attention. Nous sommes à la fin de l'année et il y a des tas de choses bizarres comme ça qui ont lieu. Vraiment, c'est terrible. Comme le voit l'écran, on nous dit le voleur photographié ci-dessus a tenté de prendre un téléphone dans une voiture, mais les passagers étaient assez rapides pour lui saisir les mains. Cela s'est passé au Congo. Vous avez entendu ça? Cela s'est passé au Congo. Il était juste allé pour faire des trucs bizarres. Voler quelqu'un, les gens vont travailler dur pour avoir les trucs. Toi, tu vas aller juste prendre comme ça. Et juste comme ça. Et regardez-le. Il a même des problèmes. Tous les jours pour le voleur, mais ce jour pour le propriétaire. On l'a attrapé aujourd'hui. C'est vraiment dommage, Où va-t-il aller? Où vont-ils l'emmener? Il est même en train de crier ici. Regardez comment il est en train de même crier. Regardez, on l'a attrapé. La main dans le sac, on l'a même attrapé le col. On dit, mon ami, tu es chaud aujourd'hui. Qui t'a envoyé ici? Il va dire que c'est le diable. Quand les gens sont dans des tels problèmes, ils sont là. Ah! Pardonnez, ce n'est pas moi. Mais c'est pas toi, c'est qui? C'est le diable! Et regardez ça. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ah, soyez vigilants. Quand vous êtes dans les véhicules, mes soeurs, surtout les filles, arrêtez de trop de manipuler votre portable. Ou vous voulez manipuler votre appareil. Veillez à ce que la pare-brise soit bien fermée. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Surtout dans la fin de cette année-là. Ou bon, à la fin de chaque année, il y a des trucs terribles qui ont lieu. Et personne ne comprend ce qui prend même certaines personnes. C'est que nous sommes là pour parler des choses mystérieuses ici aujourd'hui sur ce bord. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, en tout cas, je sais que c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. Ce n'est pas une chose facile. Les gens travaillent dur pour avoir leur bien. Toi, tu ne peux pas venir prendre ça comme ça pour partir. Qu'est-ce que Dieu va même penser de toi? Tu vas aller en enfer ou au paradis. Même là, même tes œuvres, même pas pour toi. Personne ne va venir te défendre. Ce sont tes œuvres que tu défends après la mort. Parce que la vie sur la terre ressemble à un examen, quoi. C'est-à-dire les gens viennent pour faire un examen. Et toi, voici, tu es soumis à une tentation. Tu dois faire un choix. Le choix de voler ou pas. Il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut avoir dans la vie.
Et il faut se confier à Dieu pour que Dieu nous donne de belles idées, de bonnes idées pour avancer. Il n'y a que lui qui peut le faire. Sinon, le diable, c'est lui qui va vous guider par son mauvais esprit vers des trucs pareils pour vous mettre dans les problèmes. Combien de prison ce gars, combien d'années de prison va-t-il faire? S'il ne sait pas, il a quand même Dieu merci. S'il ne va aller faire des années de prison juste à cause d'un truc pareil. Peut-être ce que tu as l'habitude de faire. Que Dieu te pardonne aujourd'hui. Que Dieu te délivre aussi. Parce que tu as fait du mal aux gens. Change de comportement aujourd'hui. Tous ceux qui ont volé et qui sont morts se sont retrouvés en enfer. Et en enfer là-bas, ils sont dans bien de tourments. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe là-bas. L'instrument qu'ils ont utilisé pour voler là, c'est l'instrument qu'on utilise pour les torturer. Ils vont vous couper la main en enfer. Vous qui êtes dans des trucs pareils. Vous qui êtes dans des trucs chelous. N'hésitez pas qu'on ne vous a pas dit.